Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je vous présente la nouvelle T-Box du mois de mai. Elle est très belle, hein? Moi j'adore, moi. Je la trouve trop trop belle, regardez. Avec les petites hirondelles. Alors, comme d'habitude, il y a une petite carte. Rêver, vivre, infuser. Avec une petite hirondelle, encore une fois. Après, l'intérieur, il est comme ça. Toujours le cahier des saveurs. Alors, édito douceur. Lové au cœur d'un jardin merveilleux, la douceur chuchote à l'oreille de la tendresse. Viens là-tu, ma sœur, parcourir le monde, saupoudrer ses contrées d'étincelles de lumière. Comme un songe, comme une promesse, elle virevolte au-dessus de nos vies. Il suffit de tendre la main pour que douceur et tendresse soient la couleur de nos jours. Cette édition de la T-Box est une ode au tea time, partager la complicité des mots et des regards qui s'échangent autour d'une tasse de thé. Après, vous avez Plante bienfaisante, Compagnie des Indes. Ils expliquent alors là. Histoire de thé. La première expédition de la Compagnie royale des Indes orientales remonte au temps du Roi Soleil. Les botanistes sillonnaient les océans afin d'explorer de nouvelles terres à la recherche de plantes et d'épices aux saveurs inconnues et aux propriétés légendaires. Plusieurs siècles plus tard, la compagnie hisse de nouveau les voiles et explore le monde à la recherche des plantes cultivées dans les meilleurs jardins d'agriculture biologique. Alors vous avez Suntox. Ah merde, je l'ai déjà vu, il est bon en plus. Après vous avez Absolue Harmonie. Symphonie d'essence, 11 plantes merveilleuses, reine des prés, vigne rouge, gingembre, menthe douce, olivier, mauve, marjolaine, fenouil, cannelle, de ceylan, cardamome et sauge, accompagnant la douceur, mélodie des saveurs. Le bien-être dans une tasse. Après, vous avez chakra, booster, le thé vert désintox aux vertus antioxydantes et énergisantes qui se mêle à la cannelle, gingembre, citronnelle, cardamome, clou de girofle, offre écorce d'orange amère et zeste de citron pour tonifier son énergie intérieure et prendre soin de soi au quotidien. Et après, il y a Nirvana. Qui se boit en soirée. Après, vous avez le jardin de l'ermitage. Alors, histoire de thé. Les façons dont on boit le thé à travers le monde en disent long sur la culture et l'art de vivre local. La maison des jardins de l'Ermitage l'a bien compris. Elle tire ses origines de Russie en 1887, où elle mélange et aromatise des thés d'exception avant de transférer son activité en France. Elle s'inspire de la riche culture gastronomique française et elle s'attache à travailler avec des producteurs, eux aussi héritiers du savoir-faire traditionnel. Alors là-dedans, on a du thé noir de Chine, morceau de date, arôme date, noisette, pomme de tatin, miel et jus de date. Bio. Tout ça, c'est bio. Et ça a l'air d'être bon. Après là, vous avez Région de Parc. C'est ça. C'est des gâteaux au citron. Des gâteaux au citron, regardez. En Angleterre. Après, la vie comme elle vient, Kodama. C'est celui-là. Histoire d'infusion. Créée en 2015 par deux amoureux du thé, la maison Kodama, à la fois laboratoire et bar à thé, propose des recettes gourmandes et étonnantes au nom poétique. Son credo, concilier la créativité des alchimistes à la rigueur des infuseurs. Sa gamme réunissant grand cul et création maison, s'infuse à chaud ou à froid, une multitude de nuances à découvrir pour donner à la vie du sens et des saveurs. Alors celui-là, il faut le boire le soir. Il y a des morceaux de pommes, hibiscus, écorce et morceaux d'orange et d'orange sanguine, écorce de citron. Un titam avec Manon Bussiarelli. Diplômée de l'École supérieure des arts du Perret, Manon Bussiarelli est une graphiste passionnée de typographie.
Avec le thé douceur, elle nous propose une évasion le temps d'un bel après-midi ensoleillé, à observer les hirondelles fendre le ciel, à sentir la brise agiter les branches des arbres et libérer l'odeur des fleurs nouvelles. Son illustration est une ode au printemps et à la nature. Alors après, il dit ses projets actuels. Aujourd'hui, je travaille essentiellement pour les maisons d'édition. C'est un immense plaisir de découvrir chaque texte et de tout mettre en œuvre pour lui donner corps visuellement après le du lecteur. Le thé et moi. J'aime chaque moment de ma journée correspond à un thé différent. Thé au citron réveil, thé au jasmin dîner, infusion le soir. Mon thé favori, le thé vert. Avec de la menthe fraîche, coupée et très sucrée. Le thé à la marocaine, tout simplement. Bon. Mon plus bel instant thé. J'entends encore le bruit du thé jaillissant de la théière à 30 cm au-dessus du verre. L'odeur mentholée est puissante. Elle recousse et des loukoums. Il fait 40 degrés à l'ombre et c'est ce que notre guide nous sert pour nous rafraîchir. J'ai 11 ans et je contemple les beautés de Petra. Inoubliable. Mon moment sérénité. Aller cueillir de la verveine du jardin et la faire infuser tout en laissant un bon lit sur la terrasse. Après. Là, vous voyez. Et après, là, éclair au citron. Éclair au citron meringue. Après, il y a P et A et T. Histoire de thé. Feuilles de thé et papier. Pepper et tea. Maison de thé d'origine allemande. Et plus précisément de Berlin. S'inspire de l'héritage du thé à travers les âges. Et les réapproprie avec une vision absolument moderne et créative. Elle s'approvisionne directement dans les plantations du monde entier. Et n'utilise que les feuilles de thé entières. En plus du thé, Papa Reti propose de la papeterie, l'occasion de rêver pour écrire des petits mots tendres autour d'une tasse de thé. Alors vous avez le perfect thé. Le mine julep. Le Brave New Way Air et le Japok Derby. Et là, ils disent, bon à savoir, chaque sachet de thé peut être infusé plusieurs fois à la liqueur et les notes aromatiques changent à chaque infusion. Sur l'emballage, Paper et Tea indiquent le nombre conseillé d'infusion par sachet. C'est marqué là. Par exemple, là, c'est marqué 2. Après, Mémoire du thé de Lise Si, aux éditions Pygmalion. C'est ça, c'est un livre en fait. Quel plaisir d'associer une tasse de thé à une lecture trépidante. La Thé Box a découvert le roman La Mémoire du thé de Lise Si en infusant les thés douceurs. D'une tasse à l'autre, s'écrit le destin de deux jeunes femmes, entre force, émotion et solidarité. Après, vous avez celui-là, Il Stevenson, le parti du thé. L'histoire du thé. Le thé détient des goûts, des couleurs et des nuances innombrables. Passionné par cette diversité et convaincu que cette richesse, chacun peut trouver le thé qui lui correspond, la maison, le parti du thé, développe une collection de thé d'une grande variété. Thé d'origine parfumée. Vous voyez mon chat là. Là. Et mon chat. Ah, ça y est parti. Avec le thé. Oh, sa fille. Sélectionné avec soin dans tous les pays producteurs. Prendre le parti du thé, c'est l'exporter par la découverte des saveurs exquises du thé à travers le monde. À l'abordage, l'aventure du thé peut commencer. Alors, c'est thé vert arôme naturel de fraises. De la passion, vanille et mangue. Il a l'air très bon celui-là. Infusé dans la journée. Après, il y avait une broche aussi avec. Il y a une tea box pour les mamans. Et après, il reste Wiltard, la maison de thé anglais par excellence. Water Wiltard,
ouvre sa première boutique en Londres en 1886 et part à la recherche des meilleurs thés, cafés et fèves de cacao. Il crée des mélanges extraordinaires qui rencontrent un grand succès et le font connaître. De la cité de Westminster à Chelsea, la marque développe une expertise connue dans le monde entier et revisite des recettes incontournables avec une charmante British touch. Alors, il y a le Tipi Assam, un thé noir pur en provenance d'Inde et plus précisément de l'état d'Assam. La dégustation à la fois riche et intense se prévoit idéalement au petit déjeuner avec un nuage de lait à l'anglaise. Bon, moi, je mets pas de lait. J'aime pas mettre de lait dans mon thé. Le mango et bergamote. Un rayon de soleil. L'exotisme de la mangue s'entremêle à l'élégance de la bergamote. Un thé vert de Chine fruité qui se partage en bonne compagnie au cours d'un après-midi confidence. English rose. Un bouquet à infuser. L'arôme de la rose se dépose délicatement sur la base de thé noir de Chine. Sa douceur accompagne divinement un éclair à la framboise et au litchi. Et le Marrakech Mine. De la tradition anglaise à la tradition marocaine, inspiré par le thé servi dans les souks de la Médina, le thé vert gunpowder s'associe à la menthe poivrée qui se consomme traditionnellement avec une grande quantité de sucre. Mais ces nuances se révèlent mieux sans. Moi, je mets mon thé sans sucre. Après, là, vous avez la petite boutique. S'il y a un thé qui m'a plu, par exemple, je peux le recommander. Ce qui est pas mal. Le thé box, une histoire de thé chaque mois, la thé box. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, au revoir.